Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Willy Royer, bonne vidéo gaming. Salut tout le monde, c'est Willy, bienvenue dans une nouvelle vidéo gaming. Minecraft. Alors on est à l'épisode 6. Ça passe vraiment trop vite, guys. Vraiment là, on va starter ça. Go! Fait que là on était dans ce monde-là, en fait. Et aujourd'hui, dans le planning, j'ai prévu d'aller vous faire visiter mon nouvel endroit. À moi et à mon frère, bref. Du Nether. Ouais, du Nether. Et que c'est beau, hein. Et que le beau paysage. Le lever du soleil. Le jour s'est levé. Bref. Alors, c'est parti, direction le Nether. Puis regardez, guys, j'ai vraiment installé un système de rails et de plein de cartes. Et c'est ça, je me suis installé un système de rails. Ça, c'est trop nice. Donc, on testait ça. Je l'ai jamais testé, en fait. Et c'est beau, hein. Puis vraiment, guys, même sur l'île que je suis présentement. Il y a eu un shitload de mises à jour. Alors j'ai construit, regardez, des beaux magasins. J'ai des magasins, j'ai des systèmes de distribution. Regardez, un autre magasin, un magasin là-bas. J'ai plein de cultivation de toutes sortes de choses. Regardez, j'ai même une cultivation de cacao. Là-bas, la bâtisse blanche, vous avez vu, regardez, on vient de l'avoir. C'est une usine à XP. Regardez-moi ça, guys. C'est magnifique. Puis là, vraiment, dans ces coffres-là, j'ai plein de choses pour survivre dans le Nether ou dans le Nether Dragon. Dragon, plutôt, désolé. Fait que la direction, le Nether. Oh mon dieu. Je sais pas, je me suis tellement bien équipé. J'ai fait vraiment une mise à jour de fou. Regardez-moi ça, guys. Regardez-moi ça. C'est-tu pas malade? J'ai des cubes de magma qui se promènent. J'ai quand même un petit enclos de cubes de magma qui est entouré d'une bâtisse, du socle. C'est comme ça dit, bref. Puis, ouais. Regardez, ça c'est l'extérieur. Ouais. Vraiment, là, je me suis créé une maison dans le Nether. Ouais. En survie, vraiment, en survie. Ouais. Puis, vraiment, là, gars. Oh non! Oh, mon dieu! Voyons, qu'est-ce que ça fait ici, une vierge? Ah! Viens, mon vierge, arrête d'ouvrir les coffres. Ah! Ouais! Ça me fait tuer! Oh, voyons. Ah, les cubes de magma, j'ai zaï, là. Il en reste un. Oh non, il en reste un autre. Oh, vierge. Oh my god! Oh my god! Ok, ok. Fait que regardez, j'ai un beau petit foyer. Regardez, chambre de coffre, à coffre, plutôt. C'est vraiment. C'est comme une usine. Une usine de que je ramasse plein de stocks du Nether. Puis, j'ai des magasins, comme je vous dis. Puis, faut que je remplisse mes magasins. Regardez, j'ai chambre à Willow. Fait que, on va le voir. Oh, ouais, hein? C'est beau. Hey. Ouais. Charme à Willow. Regardez-moi la vue, hein? Quoi de mieux qu'une belle vue de même? Malgré qu'on voit pas beaucoup de choses. Puis, juste vous dire, là, la mise à jour du Nether, là, est-tu pas assez belle? Elle est belle, là, mais ça n'a aucun sens. Moi, les petites particules qui se promènent un peu partout, là, moi, je capote. Oh, une casse, mon dieu. Faut pas que la casse pète mes fenêtres parce qu'ils peuvent péter les fenêtres. Puis, on va faire bien attention avec eux autres. C'est ça, fait que j'adore la mise à jour du Nether, là. Cette, c'est la bibliothèque. Je me suis créé une bibliothèque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais vous montrer, guys, le reste des choses, parce que, guys, je me suis créé, mais vraiment beaucoup de tunnels qui nous emmènent à différents endroits. Fait que, regardez, je me suis créé un grand tunnel qui va à plusieurs chemins différents. Puis il y a plusieurs portes différentes. Et différentes portes, ben exemple, on peut aller piocher à différents endroits. C'est-à-dire qu'on traverse, on est au-dessus de la lave là, en ce moment, du gros lac de lave. Quasiment le fleuve de lave. Puis on a un belvédère en plus, pourquoi pas. Non, on voit pas. On voit un petit peu quand même. Guys, vraiment, j'ai travaillé tellement fort, puis c'est surtout en survie. Mais par contre, j'ai comme triché un petit peu. C'est que j'étais allé chercher du socle en créa. Mais je me suis tout de suite remis en survie, naturellement, parce que cette série-là est en survie. Puis, c'est ça. Fait que ça a été vraiment long. Puis moi, honnêtement, je fais tout ça en live ou je fais tout ça en hors live et hors vidéo. Fait que les constructions de tout ce que vous voyez en ce moment. Fait que c'est pour ça que vous arrivez. Puis, waouh, une grosse mise à jour. Willow! Ça a été une mise à jour que j'ai travaillé fort. Fait que, ouais. Puis, regardez, il y a des beaux petits cochons. Je pense des piglins, là, en tout cas, les nouveaux mobs du Nether, là, quand il y a eu la dernière mise à jour du Nether. Je les ai capturés, guys. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Puis ça a été tellement difficile, guys, là, c'est l'enfer. Ça a été fou, là. Ça a été l'enfer que j'ai eu la misère à les capturer. Bref, un petit time-lapse pour cultiver
des choses. Naturellement, parce qu'il y a un maximum de choses, naturellement. Mais ouais, mon magasin va prendre vie, honnêtement, je peux vous le dire. Fait que voilà, guys, ça conclut notre épisode 6, enfin numéro 6, pour bien préciser. J'espère que ça vous aura plu, puis je vais en faire un petit épisode 7, c'est garanti et net. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et ben nous, on va se voir pour le prochain épisode, guys. À la prochaine. Oh mon Dieu, oh, je suis tombé dans la...